Coucou YouTube, on se retrouve pour Final Fantasy VII Rebirth et on va continuer. Là, on est toujours au Gold ce soir. On a eu le magnifique moment au théâtre, là. Le passage superbement bien fait. Et on a eu notre date avec Tifa. C'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et donc là, on va aller dans le Colisée et on va affronter la famille d'Uncorneo. C'est parti. Let's go. Alors, est-ce que je dois... Ouais. L'événement spécial tant attendu va enfin commencer. Alors, vous êtes prêt à entrer dans l'arène? Je suis prêt à entrer dans l'arène. Ah, à savoir que Tifa sera dans l'équipe, du coup. Obligatoire. Obligatoire. Déjà, laissez-moi le temps. Par contre, ouais, j'ai enlevé l'effet d'air. On va s'amuser un peu avec Tifa. C'est pas fini.
J'ai fait du shish kebab là avec tous les... C'était violent. Des pampas. Mais non. Puis un pampa en forme de cornéo. Dégueu. Song song. Ouais, ça va être chaud pour la magie du coup. Eh merde, Cloud. Ah,
suis pas fini. Disparaît. Ouverture. Voilà exactement pourquoi nous devons à tout prix ouvrir Corvolante. Ma famille tout entière est prête. Je vais t'avoir. J'arrive. Fini. C'est avec le tranchant de leur dangereux couteau qu'ils vont tailler en pièce nos adversaires et assurer la vie d'un famille Corléon. Et bien, on dirait que... Oh merde, putain. Je compte sur toi. Je vais m'en occuper. J'arrive là. C'est quoi ça? Regardez-moi ça. Ce tourmenteur qui est tout changé dans cette malédiction. C'est comme si un châtiment divin frappait la troupe Lyon. J'ai bien l'impression que ce match aura fait bientôt avec elle. C'est incroyable. Oh merde, putain. Claude, il en prend plein les dents. Le pauvre. Oh merde. Il nous a fait un TP de merde. Attends. Je joue le con. Merde, attends, je vais louper mon... Tiens. Merci pour les GG. Il est de retour avec sa bestiole. Parti. Mesdames et messieurs, nous avons une chance incroyable. Le grand Don Corleone a décidé d'aller se renverser. Oh oui, comme elles sont mignonnes. Pas dégueulasse. On va lui botter le cul. Dans ce nouveau round, le Don improvise une audition publique Ouais. C'est pas fini. Je vais t'avoir.
Merde, ça, j'ai voulu changer. Ah le con. Oh, oh, oh violent. Oh putain, il nous a chopé tous les deux. Sony. Pas eu le temps de me soigner. Putain, j'ai plus de PM. Je vois pas ce que je fais là. Chou. Qu'est-ce qu'on fait? Le
c'était du Girls Power, les gars. Hop. Je vais te les couper. Bien répondu, Cloud. On les tord et on les arrache. Ou on les écrabouille. Tu les préfères truffer de plomb? Ouais. Je pourrais les déchiqueter d'un coup croc. Vous êtes tous méchants! C'est vraiment pas juste! Et pas puisque vous vous mettez tous contre moi! Allez, venez, je vous attends! Je peux vous prendre tous ensemble! Mais, là, dans l'immédiat, je me casse! Allez, Absou, en avant! J'ai l'air d'avoir un combat là. Ah, peut-être que. Sale peste, donne-nous ça tout de suite. Tu vas voir. Tu la veux. Faut être plus rapide. Ouais, ça se transforme en Blitzball, les gars. Alors là, tu me déçois. Mmh. Elle fait partie de notre patrimoine. Ferme-la, sale voleur. Mmh. Rude. Non, mais dites-moi que je rêve. Il s'est enfui. Merde. C'est vrai qu'on n'a pas revu Reno, ouais. Vous occupez-vous des deux autres. Bon, allons-y. On va enfin avoir notre revanche, Rude. Formidable! Dans ce cas, permettez-nous d'en faire un match officiel. Nous allons d'abord faire une petite pause. Le match commencera quand les deux équipes auront fini de se préparer. Quand vous serez prêts, vous n'aurez qu'à venir me voir. J'aime bien parce que là, il y a plein de combats et je kiffe. Non, il y a rien de nouveau, je suppose. Regardez si on a chopé les points, mais ah, on a chopé, ouais. Ah, surtout avec Tifa. Ouais. Let's go. Remplis légèrement la jauge d'ATB en début de combat. Ça, c'est bon, ça.
J'ai fait de l'enseignement secret, l'augmenteur attaque, ok, ouais, ça aussi on prend. Et Cloud augmente de 5% le remplissage de la jauge de transcendance lorsque le personnage est animé, ok. Allez, on prend aussi. Et Iris. Prolonge de 10% la durée de la altération, ok, non, ça on s'en fout. Réduit 5% les dégâts magiques subis en cas de garde. Off. Iris et Yuffie augmentent ensemble leur capacité de concentration. On s'en bat les hein. Prolonger de 25% la durée de l'effet des sauts magiques. Ça, ça peut être intéressant, ça. Ok, on est paré, les gars. Vous pouvez vous dépêcher un peu. Non, exprès. T'as la trouille ou quoi? Je vais vous défoncer. Avez-vous fini de vous préparer? Parfait. Bon, tu me diras, ça va être chaud, hein, c'est l'éther quand même, hein, donc alors bon. Qu'est-ce que vous faites là encore, vous? Ne ratez pas une seule miette de ce nouvel affrontement. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va, c'est bien! Le rempli, c'est parti! Direct. Oh. Ok. Bonsoir. On va d'abord la défoncer, elle, hein. Parce que vous en pensez, vous, mais... Il y a moyen de te défoncer toi en première. Ah mais on s'amuse bien là. Quoi, lui fait. Non!
Et merde. C'est ce que je fais aussi là. Je l'ai bourriné là, elle a rien compris. Oh, allez, ok, ok, c'est parti. Merde, putain. Je dois me concentrer. Allez, ensemble. Je vais m'en occuper. Faisons autrement. Il est résistant quand même, ce con. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Nice. Merci pour les gilets. Sur le centre de l'âge. Pour le grand final de cet événement, nous avons fait venir un invité surprise très spécial. Le voilà. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Venez accueillir chaleureusement le nouveau président de la compagnie Sigma. On a un remake bis là quand même, hein. À part Elena. Je suis
Officiellement, tu es encore un employé de la Kraichira. Je me suis dit que je devrais te virer en personne et publiquement. Vous deux là-bas, allez vous foutre. Bien. L'heure de la sanction a sonné. L'attention est palpable. Quelle surprise nous réserve ce face-à-face. Nous allons assister à un duel historique. Mesdames et messieurs, admirez la vaillance du président russe. Puisqu'il n'est à jamais gravé dans vos cœurs et donnez-moi. J'aime pas Rufus. J'ai moi-même été très surpris lorsque le nouveau président m'a dit vouloir descendre dans le rêve. Justement, j'aimerais savoir, cher directeur, quel signe avez-vous? Je présente une arme de choc, Kamui. Impressionnant. Je vais prendre un peu de tête. Je vais vous faire là. Ça lui a rien fait. D'accord. Ah, il va être loup, il va être loup. Il va être loup. Ok, il est relou. Il est ultra relou. Il va falloir que je me foute une barrière. Je sais pas si je dois me mettre une barrière magique ou... Ah, il est chiant, hein. Tu peux pas l'attaquer frontalement. Il n'y a pas un truc avec... Je vais aussi à le fragiliser un peu. Putain. Bon, ok. Il est hard. Il est hard. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur Cloud qui ferait que... Oh, je me rappelle plus du combat sur Remake. Je sais qu'il était chiant. Mais il y avait Eclipse avant, donc... là, il n'y a pas Eclipse, tu vois. On va jouer sur les déplacements. J'ai pas mis Analyse sur Cloud là. Je crois pas que j'ai sur lui. Alors, on va essayer. Je te présente une arme à
Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est chiant. Je peux pas attaquer, je peux rien faire. Hein. C'est relou. C'est vraiment relou. On va attendre, on va temporiser, on va voir. Il a une fenêtre. Putain, ah mais je peux rien faire, hein. Je peux pas bouger, rien. Putain, je crevais. Je suis incapable de protéger qui que ce soit. Recommencer juste avant le combat, recommencer depuis un point de pression. Attendez, voir. Ah, faut que je mette foudre peut-être sur Cloud. Je vais réessayer comme ça. Je cale rien du tout. Impressionnant. Je vais t'apprendre à devenir. C'est une dinguerie. Impossible de l'attaquer de front, quoi. Putain, même ça, il esquive. Ah bah merde, hein. C'est une dinguerie. Ça se présente mal.
Non mais la fragilité, sa fragilité elle dure deux microsecondes. Putain, il faut que je me soigne. Non ! Ah, une petite balle ! Une petite balle, il m'a foutu, putain ! Ah mais on est bon, j'ai un peu compris sa strat là. Ah purée, non. Ah je suis dégoûté. Là, par contre, ça m'énerve parce que là, quand il attaque, il fait une ruée directement sur lui. Et ça, par contre, c'est relou. Allons assister à un combat des années. Vous expliquez ça si vous voulez. Moi, je suis prêt.
mais pourquoi tu attaques quand... Pourquoi tu continues à attaquer le front, Cloud, putain. C'est parce que je suis pas dans le bon style. Ok, là, il est fragilisé. Hop, allez, bam. Allez, faut que j'augmente ma jauge. Ma jauge d'ATB. Ah putain, j'ai loupé. C'est dingue, hein. C'était trop près de lui, c'est mort, quoi. Ok, d'accord. Ah, elle était jolie l'esquive. Oh putain, par contre je suis dans la merde là. Par contre là je suis dans la caca. Je suis dans la caca. Oh dégage, 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 dégage. Qu'est-ce que je prends cher? Aurait fait plus la cette affaire ici, mais bon, c'est pas grave. Alors, je prends le risque de prendre. Je sais pas si je me soigne. Je prends le risque de me soigner. Ouais. Oh putain, c'était chaud.
Ah le con! Ah le con! Ah le... Oh le beau! Oh le beau! Laisse-moi tranquille! Leave me alone! Ah bah oui, d'accord. Il faut d'abord que je tue son chien ou... Oh, ça va être chaud les gars. Je sais pas ce que je fais. Enculé de Klebs. Prends Chéros. Il m'a fait quoi là? Il m'a fait quoi là? Faut que je me barre d'ici, faut que je me barre d'ici.
va falloir jouer safe, les gars. Par contre, son attaque là est chiante, hein. Putain, je te classe une transcendance, je te claque une. On a le droit d'appeler Red, j'aimerais bien. Ah bâtard. Adieu. Bonsoir Marc. Merci pour les GG. Il nous a échappé. C'est pas grave. D'abord. Ketsit, c'est ça? Dépêchons-nous. Et ben. Je me demande où sont passés les autres. Cherchons d'abord Ketsit. Ouais. Bon, c'était cool. C'était cool, mais chaud, quoi. Il est chiant. Ah, il faut le choquer avec choc transperçant. Tout, hein. Bon, écoutez, voilà pour la vidéo. La VOD est là. Hein, on va s'arrêter sur cet épisode-là. Merci d'avoir suivi, hein, pour YouTube. Et je vous dis à très vite. Hein.